Ben oui, toujours en ce 11-11-2017, samedi en fa dièse, c'est le deuxième. Et continue de jouer à soldat et se tirer dessus. Putain, qu'est-ce que c'est con la vie sur Terre? Pourquoi c'est tout camouflé? C'est des puissances, c'est des forces d'esprit. Putain. Les Arabes, les Juifs, les Chrétiens. C'est les... la trilogie de quintessence. Il y a aussi les bouddhistes, il y a aussi les autres. Quoi. Dans les chrétiens, c'est un putain de merdier. Pourquoi vous êtes con? Pourquoi vous faites tout pour de l'argent, pour du pouvoir? Pourquoi vous faites que de la merde? Voilà, le réveil de l'esprit, merde. C'est le troisième samedi du réveil de l'esprit. Sam, est apostrophe, âme avec A à l'accent. Samedi. Samedi, bien de le dire. Ouh, et demain, c'est en solaire. Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? C'est financé tout par l'ONU, la CIA, tout ça. C'est des reptiliens de merde. Pas compliqué, hein. Responsable des affaires stratégiques du ministère de la Défense. C'est des gens qui ont vendu leur âme au pognon, j'en ai sûr et certain. Les mecs, tu les fais chier, tu vas chez eux, tu butes tout le monde. Alors, ils sont pas contents. Pourquoi les kamikazes et tout ça? Et putain, t'as tué toute sa famille. Non mais... Et lui, il doit rien dire. Eh ben, il prend une bagnole, il éclate tout le monde, il a plus de famille, il a plus personne. Voilà. Simplification, radicalisation, protestation, révolution. Insurrection pacifique. C'est ça qu'il faut. Dégager du pouvoir, tous les connards, là. Seul truc, le seul problème, c'est qu'il faut une armée pour désarmer les armées. Il y a plusieurs forces d'esprit. C'est comme le courant, il y a le triphasé, il y a le continu, il y a l'alternatif. C'est pas les mêmes époques. Mais dans l'espace-temps, c'est pareil, à vitesse-lumière. 2000 ans, c'est quoi? C'est le temps de battre un sourcil. Vous comprenez pas, là. L'immensité du problème. Tu sais combien qu'il y en a, des planètes, des étoiles, des galaxies, des... tout ce que tu veux. Tu vas pas comprendre l'expansion de l'univers. Eh ben, ben. Vivement dimanche, sans Drucker. Non.